Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois, et aujourd'hui on se retrouve pour notre second épisode sur Hellblade, Senua's Sacrifice. Bon, j'ai bien écouté les retours que j'ai eu sur mon Discord à propos du premier épisode. C'est vrai que comme je l'avais dit au départ, eh bien il y avait un petit souci au niveau du son, mais normalement il va être réglé au niveau de cet épisode-là. Allez, on va continuer notre aventure. Bon, du coup on se retrouve au niveau de l'arène du dieu de l'illusion, on va pouvoir y partir et continuer notre aventure. Donc alors, il me semble qu'à la fin du dernier épisode, on l'avait fait, on était juste sorti, mais bon, rien de spécial. Alors. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And there she saw them. Ah d'accord, c'est par où on était rentré au départ, ça, il me semble. On n'était pas rentré par ici au départ? Si, si, je crois qu'on devait aller en haut. Si, si. Bon, allez. Du coup, on va pouvoir avancer tranquillement. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ok. On doit refaire tout le chemin jusqu'à arriver à la zone du départ pour aller affronter l'esprit du feu. Oh, on dirait un visage. Ah, le visage de sa mère. Senua, you have the sight, just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. Ok, sa mère, elle s'appelle Galina. She taught Senua to see the weave that binds the world together. Tu veux bien? Ah ok, oui. À chaque fois que je me trompe de bouton, j'appuie sur E à la place d'appuyer sur F. J'ai fait la même erreur lors du dernier épisode. But when it did come, it first came for her mother. Bon, quand elle parle, j'essaie de pas trop parler pour vraiment que vous soyez immersif dans le jeu, pour l'immersion, je règle générale. Mais c'est vrai que si vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je crois que c'était par là qu'on devait aller. Maintenant, je suis même pas sûr d'aller dans le bon côté. Hein. C'est un petit peu dommage. Ok, on va aller par ici voir. Il fait nuit très rapidement ici. Hein. Puis la zone, elle a pas l'air très très accueillante. Elle est très sombre. Est-ce que je ne serais pas... Il m'a fait peur lui, vraiment. Je m'attendais pas à avoir un combat comme ça. Ok, ils sont deux. Ça va, je recommence les contres. J'ai juste pas compris c'est quoi les touches qu'il y a. Des fois, il y a des petites runes qui apparaissent sur le côté, je ne sais pas à quoi ils correspondent. On sera peut-être un moyen. Vous voyez. Ah, d'accord, là ils sont trois. Okay. Allez, tue-le. C'est quoi?
Ouais, ça. J'appuie sur la touche E sans faire exprès. Ok, bon. Il semblerait qu'on peut charger un pouvoir. Contre. Ok, faut que j'arrive à backer un petit peu. Moi je peux pas bouger. Je peux plus bouger. Ah, je pense savoir pourquoi, attendez. Je ne peux absolument rien faire. Je suis bloqué dans un coin. Ok, c'est très compliqué. Normalement. Ah, ok, donc dès que j'ai le pouvoir d'appuyer sur E, il faut que j'utilise. Ok, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Ah, ok, en fait là, ouais, j'ai vraiment été trop loin. Et en fait, je suis pas allé à la bonne porte. Il fallait que je vienne ici, voilà. Pour affronter l'esprit du feu, le dieu du feu. From a land older than mankind, and the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Okay. Allez, le dieu du feu. Je me demande ça va être quoi leurs énigmes. Parce que l'autre, les illusions, ok, mais le feu, franchement, je ne vois absolument rien. D'ailleurs, on peut revoir une nouvelle tête là-bas. Je sais pas si on peut aller voir de plus près. Ok, je ne comprends absolument rien. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Ok, bon. Ils nous ont rien dit de spécial, hein. Juste dommage, c'est que des fois, elle ne veut absolument pas courir. Alors, ici, ça me paraît être une zone un peu de combat. Ok, là, ils vont me demander de trouver les deux symboles, j'en suis sûr. Allez, on le finit. Un coup, deux coups, trois coups, et hop, tu retournes d'où tu viens. Merci. Oh, pas eu. On sait qu'il y en a au moins deux ennemis. Allez, coupe-le en morceaux, ça fera ton dîner. Lui aussi, et on n'en parle plus. Allez, viens. Plus vous êtes grand, plus vous êtes facile à faire tomber. C'est vrai qu'ils sont quand même grands par rapport à elle.
crois qu'il doit faire au moins 2 mètres facile. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Ouais, c'est exactement ce que je disais. Ils veulent qu'on trouve les deux runes. Bon. Mais réellement, le style de combat, j'aime bien. Ok, là. On a la première rune. Donc, il ne manque plus que le H. En fait, à mon avis, le dieu du feu, c'est aussi, entre guillemets, le dieu de la guerre. C'est pour ça qu'il y a une histoire avec des crucifiés, des cadavres partout. Ce serait possible. Bon, maintenant, il faut trouver le N. Le petit N. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Voilà, comme ça normalement on a déverrouillé la porte et on va pouvoir passer tout de suite à la deuxième étape. C'est très accueillant comme endroit. C'est légèrement pointu, c'est vraiment ouais, très accueillant pour les humains, vivant comme mort. Ok, bon. De toute façon, je pense qu'ici, il va y avoir beaucoup de PVP, pas de PVE. Là, vous allez voir, on va affronter un boss, je suis sûr à 90%. Je dirais même 100%. Ça, on en a déjà combattu un comme lui tout à l'heure. On sait que maintenant, pour les tuer, eux, il y a plusieurs solutions. Ah, j'ai contré, mais j'ai pas eu le temps. Oh, oh, je crois qu'on est mort. Bon, c'est pas grave. On a une mort. Ça va le faire. Cette fois-ci, on y va et on ne rigole plus. Je pense qu'il vaut mieux peut-être que je tue le petit en premier et après je m'occupe du gros. C'est toi que je veux. Non, moi je m'en fous. Je vais juste regarder un petit truc. Normalement, je peux changer d'adversaire en utilisant une touche. Pareil, esquiver, frappe lourde, oui. Il me semble que j'avais vu ça. Changer de cible C. Ah, ils ont quitté. Allez, viens. Ok, on va se faire lui vu qu'il n'y a pas de bouclier. Non, moi il est assez simple à se faire. Voilà. Allez, tu vas pas encore me retuer, toi. C'est moi qui te le dis. Allez, back, 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 back. Oh non, il y en a encore qui spawn. Allez, je me fais de choix en premier. Allez, double combo. On n'en parle plus. Je l'ai pas vu venir. Oh non, ça veut dire qu'il va encore me tuer. On est mort deux fois à cause de lui. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup le style du combat. Mais par contre, c'est des petits trucs. Ce serait vraiment bien que ce soit amélioré.
Ok, bon, maintenant qu'on a compris la touche C pour changer d'adversaire, ça va normalement être beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. C'est chiant, c'est que j'ai pas encore trouvé son point faible à lui. À part si je fais ça. Oh. Ah oui, donc il m'attaque en même temps, c'est bon. Hein. Je sais pas s'il y aura moyen d'avoir plus de vie plus tard. J'en prends un, il y a un deuxième qui m'attaque aussi. Allez hop, si on peut le tuer, oui, ça m'arrangerait vraiment. C'est lui à chaque fois qui me... Allez hop, meurs. Hop, allez. Ah, oh, chaque... Non, mais tu vas pas me dire qu'il va encore me tuer. Ah non, c'est bon. Allez, viens. Allez hop, on le finit. Normalement là. Oh. Allez. Elle veut pas esquiver, elle veut pas parer, elle veut rien faire. Oui, je vais rager pour un semi-boss. Bon. Allez. Comment battre ce boss de merde? Ça se voit que son bras il devient de plus en plus maudit. Et pour un boss de merde? Allez. Mais ouais, ce serait bien de voir au moins voir la santé qu'on a réellement. Allez hop, découpe-le, découpe-le en rondelles, fais que des attaques chargées. Bah, attends, t'es sérieux quoi? Mais, il m'a spawn dessus. Allez, on a tué le plus dur là. Quoi? Mais il me donne un coup, il m'en donne deux, il m'en donne trois d'un coup. Quoi, on est encore mort? Eh, je vais appeler cette vidéo la vidéo de la mort. Allez, sérieusement. Parce qu'en plus, je sais que sur ce jeu, si on meurt trop de fois, ça nous retire la sauvegarde. Et vraiment, ce serait très très chiant. Allez, on y retourne encore une fois. Allez, allez. Allez, on refait pareil, on lui donne que des coups critiques. Allez, on finit. Encore eux, ça me dérange pas de les affronter parce que... Ok, tu contres mais t'es à terre, c'est logique. Hein. Eh, je crois qu'on a eu au moins 5 morts dans cet épisode sans rien faire.
Bon, vous savez quoi, je pense que je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que j'arrive à battre ce boss. Ok, bon. Ce fut très très long, mais c'est pas grave. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Ok, donc il faut trouver une torche pour allumer le feu. Je me concentre là-dessus. Ok. Je sais pas c'est quoi en fait que je dois faire. Ok. Fumer, si vous voulez mon avis. Hell will not give you the answers you want, but you mustn't look away from the horrors it does offer, because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Ok, où est passé le feu? C'était une ruse, une illusion. Ok, on peut soit aller tout droit, soit aller à gauche. Je pense que si on va aller tout droit, il va nous dire qu'on ne peut pas. On va quand même aller voir. Ouais, c'est ce qu'il disait à propos des illusions, je pense. Mais ce qui est bizarre, c'est... On a déjà affronté le dieu de l'illusion, et là, il nous met re-des illusions pour le dieu du feu. C'est... très étrange. Alors là-bas, on a une pierre tombale. Enfin, une pierre de rune, plutôt. Allez, on continue. De toute façon, ils vont juste nous raconter du blabla. Allez, allez, allez. Ok, on va redevoir faire un sacrifice. Bon. Je pense que ça doit être par là, hein. Il y a un grand chemin rempli de pics. Et je suis sûr qu'il va y avoir des nouveaux ennemis avant. Ouais, il est là-bas l'hôtel du sacrifice. Il y a un chemin par là, je pense que c'est par là qu'on doit passer. Mais ouais, il y a certains ennemis, ils sont vraiment très durs à battre. Je sais pas si c'est normal ou quoi. Les Northmen ont fait des sacrifices de feu, brûlant des esclaves comme moi pour révéler le chemin à Surt. Bon, bah, un petit sacrifice, ça a coûté, hein. Ce qui est juste étrange, c'est qu'on n'a pas encore eu d'adversaire. On doit courir vers la porte du feu. On doit pas passer par là? Ah! Comment je suis censé savoir? Pour moi, une illusion, c'est une illusion, c'est pas réel. Honnêtement. Ah ouais, regardez vraiment son bras, comment il. Là, ça a déjà atteint pratiquement son avant-bras. Bon, allez. Je sais juste pas du coup par où on doit passer. Faites-nous plaisir, dépêchez-vous. Merci. Allez hop. Oui, allez, on a déjà vu tout ça. Je peux pas passer par là. Je dois passer. Parce que regardez, on peut pas passer à droite, on peut pas passer à gauche. Ah, par ici, ok.
Ok. Par là. Et normalement, il suffira juste qu'on va tout droit. Je l'espère, sans qu'elle meure. Ce serait bien. Parce que vu dans quel état elle est, ça ne m'étonnerait même pas. Ok. Encore une mort. Le jeu est vraiment très dur. Et ce qui est plus long en fait, c'est qu'on va devoir encore une fois se retaper la cinématique. Bon, bah maintenant on connaît le chemin. Allez. On va récupérer la sensibilité. Merci. Ok, par ici. On descend, elle prend son temps. Ensuite, on passe juste ici. Et on rejoint le chemin. Je ne pense pas pouvoir faire plus vite que ce que j'ai fait là. Là, le bois, il va tomber. Il va falloir s'agenouiller. Et là... C'est bon. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Ça sort dans la zone de combat ici. Ouais, on dirait un village qui a déjà été détruit. On va essayer de monter à l'étage voir. Ok, on passe par ici. Ici, il y a une ruine, mais c'est pas ça qu'on voulait. Voilà. Ah, d'accord. On recontrouve un sacrifice par ici. Et il y a aussi deux symboles à trouver. Alors, les ruines, où est-ce qu'on pourrait trouver ça? I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge. Ça pourrait pas être un truc comme ça, non. To survive, I okay. Did things. Bad things. Ok. Dans la maison, peut-être. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die. Ce qui est embêtant, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi les runes en fait. Le R. On doit être capable de trouver la rune quelque part par ici. D'accord. Ouais, c'est vraiment très compliqué à trouver. Déjà fait, on sait que ça vient pas là. Quand on est ici, on a le E. Pas le. La rune plutôt.
c'est que le sacrifice est juste ici. On est venu d'ici. Oui, oui. Ok, ça fait au moins 10 minutes que je cherche et je pense enfin avoir trouvé. Il doit être quelque part ici. Vu tous les symboles qu'il y a par ici. Ok, je crois qu'on l'a. Voilà. Et du coup, normalement, on a déverrouillé la porte qui est juste ici. Ok, on a la tête de sacrifice qui est juste ici. Alors. L'ambiance elle est bien faite. Ok, on peut pas passer directement par là. Ok, il y a un chemin par ici, normalement on peut passer. La porte est fermée, ouais. Ils vont vouloir qu'on passe par là. Allez, allez. Ah, c'est les moments où c'est très long et qu'on peut tomber à tout moment. Faut pas aller trop vite, mais si on prend notre temps, on va mourir aussi. Voilà, c'est bon. On arrive ici. Hop, descend ici. Et normalement, la porte était juste ici. Oh, on a l'ennemi comme par hasard. Je l'avais dit tout à l'heure que ça semblait être une zone à ennemis. Allez, meurs. Allez, meurs. C'est bon. On doit aller par là maintenant. Allez, allez. Casse-moi tout ça. Ici on a une échelle. Ouais, ça me fait penser un petit peu à Pompéi tout ça. Ok, il va nous refalloir un P. Je sais pas si je peux me concentrer d'ici. Non. Ok, on a une pierre qui raconte l'envie ici. That the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surtr. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. Ah, des fois, il veut plus courir, c'est chiant. There is nothing they can do to prevent it. Ah, ok. Ouais, on va pouvoir aller chercher la rune qui est juste ici. Ok, en fait, il y en a plusieurs de runes. Il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Où est-ce qu'on va pouvoir aller? On va aller voir en haut. On va avoir une des runes.
À moins que. Ok, ils ont vraiment un esprit très très tordu. Ok, on va pouvoir descendre. Du coup, il nous en faut deux autres. Il nous faut du coup le P et l'autre marque. Le P est là-bas. Pourquoi ils veulent pas de mon P? Bah, c'est une sorte de P. Oh, il est là, on est d'accord. Ah, moi, faut... Ok, comme ça. Ok, ici, il doit y avoir l'autre. Ok, c'est dans cette jaune. Ok. Est-ce que ce serait pas ça? Ouais, en quelque sorte. Ok. Donc là, normalement, on a déverrouillé la porte qui va nous offrir le sacrifice. C'est vrai que maintenant, on va pouvoir retirer ça aussi. Et hop. On le dégage. Et maintenant, je peux ouvrir la porte. Que va-t-il y avoir juste après? Vas-y, cours, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Même s'il y a quelqu'un qui utilise un lance-flamme contre toi, tu peux le faire. T'as pas envie de dire que t'es mort. Ah, non, elle est pas morte. Enfin, quoique. I'm sorry. I'm so sorry. Darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it.
want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. Oh là, je crois que c'est lui de... Je crois que c'est vraiment lui. Son épée fait juste deux fois ta taille, mais bon. Comment tu veux parer des comme ça? Mais esquive! Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre lui ou pas? Ou on doit être obligé de mourir? On est obligé de mourir, non? Mais arrête là. Alors tu veux pas. Tu veux pas bouger? Il vaut mieux parer. J'ai rien compris à ce combat. Tu peux pas esquiver, tu peux pas parer? Que les déjà à terre. Allez hop! Prends le combo! Tu vas être ma chair à saucisse! Allez hop! T'es sûr que c'était un dieu? Tu veux faire quoi? Wow, très puissant. Allez hop, on y retourne. Ok, quand il fait ça, il faut obligatoirement l'attaquer, sinon... Allez! Prends ça, mon pote. Ok, tu t'es mis dans le mode là. Ok, hop, comme ça on peut lancer notre attaque. Allez, tue-le. Allez, relève-toi. Allez, tu peux le faire. Oh. Je crois qu'on l'a eu. Ok. So it goes until we fall.
And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest, your truth. Ok. Je viens de débloquer le succès Extinction. Bon, du coup, on va juste aller se rejoindre. Enfin, on va aller juste retourner au point de départ, au niveau de la porte qu'il fallait qu'on tue les deux dieux. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Mine de rien, le jeu est très bien, mais c'est vrai qu'il est dur. Il est très dur. Donc je crois que j'ai même pas mis une difficulté trop haute. Je crois qu'on doit être en normal ou en médium, ouais. Et c'est vrai que le jeu est pas facile. Il est très immersif, mais il est très dur. Et il y a toutes des petites touches que ce serait bien que ce soit amélioré, ne serait-ce qu'au niveau du combat, à pouvoir choisir si on veut être en vue à la première personne, ou pouvoir ne serait-ce que modifier le FOV. Parce que c'est vrai que si on nous attaque là par la droite, on voit l'ennemi, mais par la gauche, on ne voit absolument rien. C'est bien dommage. Mais après, une fois qu'on a le jeu en main, on comprend vite. Mais bon, là, c'est vrai que les histoires avec les pouvoirs, tout ça, j'ai pas trop compris, moi. J'espère qu'ils vont y revenir dessus prochainement pour nous expliquer davantage. C'est bien gris, en tout cas. Pourquoi je suis passé ici? C'est pas ici que je dois aller. Attendez, je crois que je me suis perdu. Ah non, c'est ici. Regardez, elle court pas vite. Elle marche. C'est pas possible. Normalement, je crois qu'on est bientôt reparti à la zone principale. Mais en soi, j'ai trouvé qu'il était un peu plus simple. Pas le combat de boss, mais pour atteindre le boss, c'était plus simple, celui du feu. Mais le combat, j'ai préféré le combat de l'illusion. Ok. On ne peut plus qu'aller par là, je crois. Et on va peut-être pouvoir atteindre enfin le pondre du LM. Je sais plus si on avait passé un pont. Ouais, regardez, on voit la porte de là-bas. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. Ok. Bon. On va pas tout de suite ouvrir la porte, on va la garder pour le prochain épisode. Du coup, bah, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager la série auprès de vos amis. Ça peut peut-être les intéresser et moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et de me laisser un petit pouce bleu. En attendant, moi je vous dis salut tout le monde, c'était Gaulois, à la prochaine. A plus.